heures de surprise déjantée. De 21h à 23h. Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show. Ouais. Et quand tu vois maintenant les scores qu'ils font après plusieurs années, comme quoi il faut aussi parfois un peu de temps pour que ça s'installe. C'est et clair. Puis, et puis voilà, il y a un ton sur cette émission. Tu, voilà, moi, c'est des gens que j'aime beaucoup. Après, j'aime pas tout le monde dans l'équipe, mais. Si tu veux donner des noms ce soir. Gilles Verdez. mais lui, il me gave. Mais il m'a toujours gavé, ce mec-là. C'est pour une histoire particulière, c'est que ce gars-là, moi, je le suivais, si tu veux. Dans le Parisien et dans François, parce qu'il écrivait sur le PSG, parce que moi je suis fan du PSG, et il écrivait souvent des articles. Et ces articles, j'étais tout le temps en désaccord avec lui. Donc maintenant, même de voir sa gueule, ça m'énerve encore plus. mais à part ça, en dehors de ça, il est là, il a sa place, il a raison d'y être, et il a trouvé sa place au sein de l'équipe. Fred, voilà pour moi le temps de vous annoncer quelque chose. J'ai mal à ma France. On a vu. C'est que oui, on a peut-être mal à notre France, mais Gilles Verdez, a priori, sera là le 28 octobre dans le Rico Show à 21h et on manquera pas de lui faire écouter ton petit extrait. C'est bien, vous aimez les trucs. Ouais, bah attends, on lui fera écouter, ça lui fera sûrement plaisir. Il dira, mais c'est qui ce mec-là, je le connais pas. 2 heures de surprise déjantée, de 21h à 23h. Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show.